Camille Lelouch et Slimane plus si proches, nous ne nous fréquentons plus. Ce samedi 2 mars, Camille Lelouch est de retour au sein de l'aventure The Voice. Une émission importante dans sa vie et dans celle de son ami Slimane, tous deux ayant été révélés par le show. Très proches, ayant partagé ensemble de nombreuses expériences, Slimane et Camille Lelouch se sont pourtant éloignés avec le temps, a récemment révélé la chanteuse. Lorsque le temps fait son œuvre, il emporte parfois avec lui des morceaux de nous que l'on pensait immuables. Alors que Camille Lelouch est à retrouver ce samedi 2 mars au sein de l'aventure The Voice, où elle a fait son grand retour près de 9 ans après y avoir été révélée. Nos confrères de Télé Loisirs ont également révélé ce jeudi 29 février avoir eu entre leurs mains un exemplaire de l'autobiographie de la chanteuse et jeune maman, intitulé Tout te dire, et à paraître le 6 mars prochain aux éditions Stock. Dans ses pages, celle qui tient à garder secret l'identité de son compagnon est revenue sur une autre relation importante de sa vie, celle qu'elle entretenait avec Slimane, son ami et partenaire des débuts. Je rencontre Slimane dans un karaoké. Nous nous entendons tout de suite très bien. Nous avons en commun la rage de réussir, la nécessité absolue de chanter. Il devient mon ami, mon compère des piano-bars, des folles nuits, des chansons à tue-tête dans les rues fraîches du petit matin parisien. Mais aussi les frangins des galères. Et des rêves d'avenir, écrit-elle. Révélant alors avoir partagé beaucoup de choses avec l'interprète d'A Fleur de Toi, avec qui elle partage aussi le titre Si on est deux, Camille Lelouch dévoile aussi que, malgré leur relation très intime, comme frère et sœur, le temps a eu raison de cet amour amical. Aujourd'hui, nous ne nous fréquentons plus. Les épreuves de la vie nous ont séparés. Cependant, tout n'est pas perdu et lorsqu'ils se retrouvent au détour d'une occasion, la nature de leurs sentiments passés revient elle aussi. Quand le hasard nous fait nous croiser, la tendresse revient en force et nous sommes toujours heureux de nous revoir, a-t-elle écrit. Le temps passe certes, mais n'efface pas toujours. Camille Lelouch, les détails sur son retour au sein de The Voice. Ayant d'abord laissé entendre en novembre dernier que son retour au sein du célèbre télécrochet était possible, Camille Lelouch a été confirmée comme présente parmi les stars du casting de cette nouvelle saison quelques jours plus tard seulement. Si les fauteuils de coach restent occupés par Mika, Big Flo et Oli, Vianney et Zazie, son rôle est un peu à part puisqu'elle est en charge de son côté de The Voice, Comeback, une compétition parallèle diffusée sur TF1+, où elle permet à 6 candidats éliminés de pouvoir retenter leur chance. L'un d'eux pourra ainsi, malgré son élimination, récupérer une place pour la demi-finale.